était l'une des stars de cette finale. Kylian Mbappé, certes. Paul Pogba, aussi. Mais là, on parle de Kolinda Grabar-Kitarović, la présidente de la Croatie. Elle qui avait pris des congés sans solde et voyagé en ligne régulière vers la Russie pour voir la finale est venue féliciter les Bleus dans le vestiaire, après le match. Un moment à la fois solennel et en même temps très, très classe. La préside de la Croatie voulait vous dire quelques mots, lance Emmanuel Macron, lui-même passé auparavant dans le vestiaire croate pour féliciter les vaincus. Kolinda Grabar-Kitarović s'avance et dit, en français, félicitations, et vive la France. Clameur de l'équipe de France. Elle enchaîne en demandant aux Bleus de chanter pour la Croatie, bien triste ce soir. On appelle ça le fair play diplomatique. Et c'est beau.